est-ce que vous préféreriez, pardon, faire un championnat régional ou un match comme ça, 64e ou aller 32e contre un club pro dans la saison? Un match comme ça. Un match comme ça? Pas le championnat? Non. Pas le championnat? D'accord. Ah, je suis surpris. Surpris de la réponse. Surpris de la réponse, pourquoi pas. Après, bon, c'est vos choix. C'est vos choix. Le tirage, il est cool au final, non? Oui. C'était peut-être mieux de tirer ça qu'un club de R1 ou de F1 connu. Bon. Voilà. On fait nos choix avec Kevin, Axel, avec Pascal. On en discute. Et pareil, je pense qu'on reste droit dans nos baskets. Après, on peut toujours en parler, c'est sûr. Je sais que les 16 qui sont là, vous n'avez rien, il n'y a aucun problème. Celui qui est 17e, voilà, c'est sûr, ça s'applique un peu plus quand il y a un match comme ça. Ou voilà. You got the upper hand. I've been down on my luck. Yeah, I've had better days, but of high steeper falls. There's a reason why people love an underdog. Battles on one, they just show who you are. And in the end, you know I'm gonna get mine. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon enough. Just the story of, just the story of a comeback king. He's a comeback king who keeps rising up, who keeps rising up from any hole you dig, any hole you dig. They call it triumph. Premier ballon, il est bon.
But when you call my name in the broken light, they call me triumph. Bon, Rémi, fin de l'aventure ici à domicile. Qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui pour faire la différence face à cette équipe des U19 nationaux de Clermont ? Je dirais un petit peu d'attention, parce que on fait une première mi-temps où bon, on a une occasion énorme sur les 5 premières minutes où ils ont pataugé un petit peu. Après, bon, forcément, on savait que ça a été compliqué. On a manqué d'attention sur ce petit corner où je suis obligé de sortir le défenseur. Et c'est un manque d'attention complet parce que je sais pas pourquoi, je sens que si on prend pas ce but là, on peut encore aller plus loin et espérer un peu plus, aller faire douter au final. Donc voilà, pour moi c'est un petit manque d'attention. Après bon, forcément le niveau joue aussi. Hein. Qu'est-ce que tu retiendras de ce parcours cette année? Que du bonheur parce que comme j'ai dit, quand on prend une équipe en début de saison, on se prépare pas pour une coupe, donc c'est que du bonus, que du bonheur pour les garçons. Je pense qu'ils le méritent aussi parce que c'est une génération 2004 qui est au complet en termes de quantité et qualité. Pour le club c'est vraiment bien. Si tous les garçons peuvent rester au club pour les années à venir dans les seniors, je pense que ça peut faire que du bien. Donc c'est que du bonus et c'est amplement, je pense, mérité. On ne doit ça qu'à nous-mêmes, quoi. Voilà. Alors, je suppose que maintenant l'entraîneur va passer son temps à réfléchir à comment il va pouvoir remotiver les troupes pour continuer maintenant le championnat. Mais là on dirait que, comme je leur ai dit, c'était le dernier match de l'année civile. Donc on va avoir un petit laps de temps. Maintenant ça permettra de se reposer, de réfléchir aussi, que les joueurs réfléchissent aussi un petit peu et se remettre dans le bain, puisqu'on va de suite reprendre les autres compétitions. Alors même si en championnat on ne peut pas espérer non plus grand chose puisqu'il n'y a pas de montée ni de... voilà. Par contre on a deux coupes à jouer, donc la coupe territoire et la coupe d'Aveyron. Et pourquoi pas, voilà, maintenant qu'on est là, pourquoi pas, quand on y goûte... Quand on goûte, on a envie de manger le gâteau, quoi. Bon, merci Rémi. Avec plaisir.